Bon voilà, ça faisait plus d'un an et demi que vous le demandiez. Tokyo, été 2017, c'est parti. Bon, après un petit périple de quelques heures, me voici dans le Skyliner, donc direction Nippori. En fait, il y a déjà un petit souci, c'est que j'avais dit à Ichiban Japan que j'arrivais demain. Donc là, je suis censé le rejoindre, mais il va avoir un peu de retard, ce qui est normal. Alors là, j'ai encore un autre petit souci, c'est que j'attends Guigui. Mais j'ai pas de monnaie japonaise, et pour acheter un ticket de métro et pouvoir passer les portiques là-bas, il me faut de la monnaie japonaise. Donc je l'attends impatiemment. S'il te plaît, Guigui, viens vite. Eh, t'es débile ou quoi? Eh, grand zinzin. Putain, mais... je suis obligé de croquer ce premier melon de panne. Première chose qu'il fait en arrivant. Hein? Il est bon ou pas? Oh, quel délice! Fais sentir! Croque! Ah, il est bien beurré! Hein. Mais vas-y, t'as lâché un vieux croc immonde! T'es mal, vieux croc! Ouais. Bon, alors, Ichiban Japan, découverte du Japon, les meilleurs vlogs de France! En fait, si on va par là-bas, normalement on peut avoir des bonnes imbos, tu sais, si on a des pierres de dragon. Mais vas-y, putain, sérieux! Là, on va aller poser tes affaires chez Ideto. Non. Je sais pas encore, mais tu vas dormir chez lui. Et moi aussi d'ailleurs. Shideto. C'est pas pareil. Faut bien insister. Shideto JP. Est-ce que vous reconnaissez où je suis? C'est le QG officiel. C'est Shideto. Ça va mes petits tanuki? Ça va. Ça va mes petits sashimi. Ah, les petits sashimi, mes petites tranches. Oh l'enfoiré. Oh. Eh, tu sais qu'ils ont été très nombreux à te demander est-ce que tu seras encore avec Hideto et tout ça, donc... Eh ouais, mais j'ai vu. Tu te mets les choses au point, si vous avez pas plus de 100 000 abonnés, vous devenez c'est pas la peine. Moi. C'est pas la c'est peine. Mort. Alors du coup, il y a la petite distribution de cadeaux. Attends, tu te filmes en train de donner des cadeaux, tu fais ce genre de mec. Ah, mais Guigui m'a ramené ça la dernière fois. T'es quelques... Tiens. Putain. Mange tes morts. Ouais. Le petit Marseillais. À la vanille que tu m'avais demandé. Et pour Hideto, comme j'avais ramené déjà du Nutella la dernière fois. Il m'a ramené le Maxi Pot en plus. Ah bah, illustré en plus. Mais ça, on en trouve au Japon du Nutella, ça. Mais ouais, mais il m'avait dit d'en ramener quand même. Bah, ouais. Surtout quand c'est gratuit. Le mec, regarde tout ce qu'il a eu, il se plaint. Enfoiré. T'as cru c'était quoi? Regarde tes trois pauvres paquets de cadeaux. Un truc de gel douche et un déodorant. Mon sale gland par la droite. Ça veut dire que ça va invoquer mon gars. Mon sale gland. Mon sale gland. Regardez-moi ce corps imposant. Ses épaules. Eh, les épaules, mon gars. Eh, chaud. Comme le fond de cette canette, tu n'as pas d'âme. Car je te bois sans état d'âme. Yurakucho. On fait quoi? On va où? Nous sommes à Yurakucho. Ouais. Et nous allons passer une bonne soirée. Togashi, si tu nous entends. Comment faire pour draguer les japonaises? Premièrement, il te faut le style à la Guigui. Le style à la Guigui, ça pêche avoir direct. Un flow zéro. Non, avoir un flow naturel, mon gars. Et comment on fait? Alors, je vais donner une astuce très simple. Il faut montrer que vous êtes français. Pour montrer qu'on est français. Ah oui, je sais. Parle. Je t'avais déjà dit cette technique. Donc, tu parles tranquillement. En fait, tu sais, hier, est-ce que je t'ai dit, je suis allé acheter un pain au chocolat croissant. Ah, avec un peu de fromage, du foie gras. Un peu de foie gras sous mon béret. Tour Eiffel. Oui, Tour Eiffel, oui. Tu vois, elle s'est retournée, la meuf derrière là. Elle s'est retournée, mon gars. Elle s'est retournée. Et elle rigole. Elle sourit. Waouh. Ça, c'est le Japon. Ça, c'est le Japon. Regarde, ta copine, elle t'attend là, regarde. C'est le Japon. Oh oui. Ça, c'est le vrai Japon comme on l'aime. Il n'y a pas un unique. Oh, 360. Alors là, je sais absolument pas où on est. On est dans des petites ruelles. À mon avis, on se dirige vers un restaurant atypique. À la base de face, c'est fesses. Tu vois? Et c'est que tout le temps où tu fais. Oh, quel homme! Le gokiburi est un insecte japonais qui se rapproche du cafard que nous avons chez nous en Occident. Et il sert à quoi? Il est là pour embêter les gens qui font des vlogs au Japon.
Mais par contre, non, tu connais le Geji Geji? Une ville 300 millions. 300 millions d'années? Quoi? Ça fait beaucoup quand même. Je m'appelle Lucas TV. Lucas Telvest. Lucas, c'est le frère. Les mecs, ils n'ont plus. Et donc, regarde. Ça va? Ça va. Regarde quoi? Donc voilà, on est au Harmonica Yokocho. Ouais. Donc le Yokocho de l'Harmonica. Ok. Il y a plein de petits bars stylés. Moi, j'ai vu McDo là-bas. Casse-toi. Bon, alors là, il est minuit et demi. Tout est fermé. On est dans des petites ruelles de je ne sais quel quartier. Je ne sais même pas où on est. Et ben là, on est dans le quartier de prédilection de Nihon Box. Je vous conseille, alors Nihon Box, c'est des boîtes du Japon avec pas que des objets otaku, c'est des objets aussi. J'en ferai des vidéos prochainement sur la chaîne. Voilà. Unboxing. Et donc, on est dans leur quartier de prédilection. C'est eux qui m'ont fait découvrir cet endroit-là qu'on va aller voir ici dans le vlog. Eh les gars, melon pan au melon. Première fois que j'en trouve un. Et on va terminer ce vlog comme ça. Donc là, c'est le melon pan au melon. Donc c'est melon pan au melon, c'est la première fois que tu vas goûter ça. Alors, première fois, ouais. Montre comme ça là. Attends, je vais faire le point. Mais Belek. Attention, melon pan au melon que va goûter Lucas TV. Putain, bâtard. Mais en fait, c'est moi qui l'ai goûté. C'est moi qui l'ai goûté en fait. Il est bon, hein. Non, je te jure, il est bon. Il est goûté tout seul. Viens, bon. Il m'a lâché un vieux croc, ce bâtard, en plus. J'ai fait une farce. Ah, j'adore. J'ai fait une farce. C'est pas du très bon melon, mais. C'est la fin de ce vlog de Lucas TV. Premier vlog au Japon 2017. Ouais. On est sûr que ça vous a plu. Lâchez les pouces bleus. À foison. De Blue Thumbs pour arriver dans les tendances. Eh ouais. Oh, si on arrivait à être dans les tendances avec le premier vlog, ce serait beau. Et je vous fais gros bisous. Lucas sera là pour au moins 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Hideto sera là aussi. Allez vous abonner à la chaîne de Hideto. Le mec, il sait même pas son vlog, il me fait de la pute. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Lucas vous fait de gros bisous. Et dédicace à mon père, mon petit frère, ma mère, mes grands-parents. Papa TV, on vous voit, Papa TV. Ouais, Papa TV. Mamie TV, Maman TV. Toute la famille. Allez, bonne nuit. Et vive les melon pan. Jana. Jana.